Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du let's play de Mario et la Pâquerette, Kingdom Battle. Donc on va vite continuer là, on s'est arrêté la dernière fois, hein, donc j'ai vraiment pas bougé. C'est exactement le même endroit. J'ai juste fait une petite ellipse. J'ai tellement de questions, peut-être qu'il est préférable de les laisser sans réponse. Ouais, on va dire ça comme ça. J'ai oublié des pièces. Des pièces. Des pièces. Ah oui. Heureusement que je me rappelle encore du chemin. Hein. Je sais que c'est pas par là, vous inquiétez pas. Juste tout prendre. Hop. Donc l'interrupteur se trouve juste là-haut, ici. Hop. J'ai failli l'oublier lui. Le moment exemplaire, il ne se contente pas de tenir la bajour, il est la lampe. Alors, c'était comment déjà? Voilà. Arrêtez, vous deux, vous allez vous faire mal. Non, c'est vrai. Alors, le coffre, qui est là? Je sais pas si c'est l'arme arc-en-ciel. Est-ce que c'est ça? C'est ça. J'ai envie de voir ce qu'elle donne. Je l'avais pas débloqué dans l'autre partie. De la poussée. J'achète. Donc, là j'y viens. Juste là, plus encore, ici. Il l'empirane encore. Pianta pirane. 1-5. Mario. It's me, Mario. Alright. Éliminez tous les ennemis. Cette fois, nous sommes sur un terrain surélevé par rapport à nos ennemis. Savez-vous que vous gagnez un bonus de dégâts quand vous attaquez tout dessus? Tirez sur l'ennemi depuis cette position avantageuse et vous voyez par vous-même. Yeah. Yeah. Boom. Moins 43. Mario time. Faut que j'arrête. D'abord l'autre. Ah oui. Là c'est assez spécial.
Et sur le tabarnak. Un petit critique à 55. J'ai la vision sur personne, je crois. Tour de l'ennemi. Allez, vas-y, bouge. Meurs. En sachant qu'on peut faire les super effets comme ça aussi, hein. Hop. Non. J'ai fait n'importe quoi, je crois. Ouais, j'ai un peu fait n'importe quoi. Non ! J'ai encore fait pire que n'importe quoi. Oh là là, ça c'est mauvais par contre. C'est très très mauvais. Ma faute, ma Bah là, c'est rien quoi. Nice. Il reste que ça, hein? Non, il y en a deux encore. Vraiment de la chance à ce niveau-là. Ah mais non là. Du coup non. À moins que. Je pense que je vais pas l'avoir en parfait celui-là. C'est bon. Oh, c'est large. Large, large. Je crois qu'il y a des pièces qui traînent. C'est tout. Plus de pièces, encore plus de pièces. Un champignon parce que là, c'est une grande bataille. Et bah, c'est une bataille comme les autres.
plante, pire à la pine, la mauvaise herbe flamboyante. Vaincre le mini-boss. Alors, préparation, normalement, il n'y a rien. Je voulais pas faire ça, tant pis. On va débuter la bataille. On va pas aller trop rapidement. Hop. Nous allons utiliser d'autres pour le moment. La même chose pour lui. Je peux pas le tacler, je parie. J'aurais peut-être dû. Enfin, je pense que la meilleure méthode c'est de le tacler, etc. Mais... Et en dernier, Mario. Mario. Si je reste là, je vais me faire déboîter. Et je peux aller nulle part ailleurs en fait. On va rester là, on va juste utiliser ça. Toi. Ouais, normal. Ouais, il préfère m'attaquer. Chaud. J'ai besoin d'un paquet de défense. Aussi loin quand même. Ah bah pile la bonne distance. Nice. Non, m'attaque pas, je vais mourir. Salaud. Faut surtout pas que je meure.
J'avais qu'à changer de perso. Ici. Il faut que je le touche. Je suis mort. Ça va être chaud. Faut que je fasse un 30. Un 30. Yes! Oh. Pas de tourpeau, hein? Par là, hein. Et on va se mettre à découvert. J'arrête pas de tuer assez rapidement, je pense. Tu vas rester bien caché. Ah, c'est chaud là, je pense que je l'aurais pas. Hein. J'aurais pas le parfait là, je le sens. Hello. Oui, c'est plus bien long là. Allez, une petite poussée. Je l'ai mis hors limite, très bien. Blague. Non, ça touche. Écoutez. Oh là là. Il n'y a pas mourir en moi. Allez, là c'est bon. Il est mort. On l'aura tué au moins. Encore un coup. Dernier coup par Mario. Ah, il a même pas mis le dame. Allez, là tu vas le toucher. Et voilà. Pas trop tôt. Oh!
Ah ah, voilà donc le deuxième frère du célèbre duo Mario et... Louis. Non. Lucas. Non plus. Lucien. Non, toujours pas. Ah bon, peu importe. Bienvenue. Et j'ai fait un parfait quand même, hein. Mon frère, où es-tu? Attendez, on m'appelle, je reviens. Me revoici, désolé, un appel qui ne me concernait pas, qui ne concernait personne d'où je suis d'ailleurs. R&D, Amiibo, Dom Coop, Luigi, voilà mon stock. Ok, plein de choses. Il n'y a pas beaucoup de PV Luigi, il va falloir qu'il reste en arrière. Dégâts de rebond. Ah oui, l'arme de compétence aussi. J'avais oublié. Le saut d'écrasement qui permet de sauter sur un ennemi après un saut. Comment on appelle ça déjà? Comment on appelle ce saut déjà? Saut d'équipe, voilà. On peut encore faire, on peut encore faire. Et ça, on peut mettre normalement la sentinelle. Et c'est tout. Donc des petites piécettes par-ci par-là. D'accord, ouais, c'est ça, c'est continue à avancer. Pelouse, une nouvelle bande son. Allez. Toujours dans le jardin antique. On s'approche fortement de là où je m'étais arrêté. Peut-être qu'à tel médiatif de leur persévérance dans l'art de la dissimulation, l'endroit semble très inconfortable. On est vraiment très proche de là où je m'arrête. Déjà là. Pour une nouvelle arme, encore une fois. Yahoo! Souffle au Spike. Ah, peut-être de garder mes pièces, moi. Donc, on a déjà activé. Non, on a désactivé le vert, on a désactivé le bleu. Si je ne m'abuse pas, ce sera le jaune. Et vous pourriez nous aider à sauver le royaume des champignons au lieu de paresser. Eh oh! Il y en a plein des comme ça. Bah, c'est pas pour tout de suite.
quelqu'un. Moi, je crois que c'était un lapin, mais pas du tout. Alors, on peut toujours pas y aller. On n'a pas encore le pouvoir nécessaire. Petit canon. Pour désactiver le rouge. Donc on a désactivé le rouge, on peut le faire là. Et c'est parti. Hop. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. J'en ai loupé une. 7. Allez la balade. Et 8. Bon, on peut pas aller ailleurs que ça. On va continuer tout droit. Ah oui, non. Avant d'aller tout droit, on va chercher le coffre. Bobo, sir. Oui. Le 1-6, donc je vais t'arrêter pas loin de là. J'avais fait ce combat déjà. Je l'ai loupé. I'm a winner. Tu es une saucisse, Luigi. Tu m'en apprends des choses. You're a winner. Ah, une poussée aurait été bien. Oh non, il reste 2 HP, flûte. Oh, je vais prendre la sauce. Oh, je vais prendre la sauce. Oh, j'ai plus de vie. Oh, je me suis fait Kaiser saucé. Alors toi, je te protège, je m'en bats les steaks. J'ai envie de voir ce que ça donne avec ça. Non. Oupsie. Lala. Oh. Je mets un coup de critique sur ça. Please. Ah là là.
Mais vas-y, t'as que 50% de chance de toucher. Pourquoi tu touches à chaque fois? Oh là 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 là. Allez, pousse! Non! Il a pas poussé! Non! Oula, ça va m'énerver. Faut que j'arrête de jouer aussi vite. Vraiment m'énerver. Voilà. Ouais, ouais, du coup là je prends des dégâts purs. Hein. Ouais, ils se sont pas rassemblés. Dommage. Sérieusement. Vraiment, c'est une sacrée blague, quoi. Allez, tombe. Même pas de poussée. Ah. Pas de chance. On va faire ça. Puis ça. I'm a winner. J'ai plus d'HP. Ok, bon là y'a rien, on continue à avancer. C'est qu'il y a un champi à gauche, donc je m'en soucie pas trop. Juste falloir que je fasse attention pendant ce fight. C'est le fight avec les champs, ça devrait bien se passer. Si mes données sont exactes, c'est un chomp. Il dort pour le moment, mais dès qu'il sentira notre présence, il s'éveillera et est en train de mordre. Nous ou l'un de nos ennemis. Le chomp ne réfléchit pas, il fonce sur la cible la plus proche. La bonne nouvelle, c'est que le chomp ne chargera qu'une fois notre tour terminé. Heureusement que je l'ai pas éloigné, hein. Oh yeah, Mario time. Oh yeah, Mario time. Ah, j'aurais pas dû plus s'endommager.
pas bien là. Lui est-il poussé? Voilà. Je vais utiliser ton shield direct de toi. Parfait. Parfait. Petite poussée, ce serait bien. Oh là 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 là. Le jackpot. Ça, c'est un jackpot comme jamais. Pas le choix de toute façon. J'ai pas encore d'armes intéressantes pour lui. Eh oui, il va pas aussi loin. J'ai tout prévu. Ok, doc. Trois tours sur cinq. Très très bien. Son pièce et 10 points de compétence. Pourquoi ils ont décidé de rajouter ça? Pardon, je regarde juste le niveau de mes manettes. Très bien. QG de combat. Celui-là, on va prendre le bazooka, je pense. Ouais. Et lui... on va rien utiliser. Par contre, est-ce qu'on va prendre une arme? Ça, c'est une bonne question. Des dégâts de poussée de ouf. Il va certainement falloir que j'achète un truc de rebond. Une arme de rebond. Donc là, c'est là où je me suis arrêté.
on va découvrir ensemble. On va ramasser les pièces, bien sûr, les pièces c'est la vie. Oh, bon, on détruit, il va falloir trouver une autre solution pour poursuivre notre route. On fait le tour, comme d'habitude. Il y a rien là. On va par là-bas. Pour l'instant, on va rien toucher. J'ai envie d'avoir le coffre. Hein. La dernière fois, j'ai réussi à me bloquer ici. Le coffre, c'est bon. On plante pierre à lapine. Il y a quelque chose. Ah oui, c'est pour ça, ouais. Un petit anneau à bubule. Je sens qu'il y a des... pas crétins qui s'amusent. Pour ne pas gâcher leur plaisir, je ne dirais pas à quoi servait cette ponge dans notre monde. Nous y voilà, on a passé. Ça c'était encore l'anneau. Allez, à la suite. Un modèle Luigi. Ouais. Trop stylé. Suivant l'heure, son acteur a écrit un paquetin construisant une cabane de route. Je suis pas sûr de quoi. Oh, moi je comprends très bien. Parce que je suis crétin aussi. Les uns sur les autres, monde 1-7. Je ne peux pas encore pousser cela. Prêt, c'est parti. Vaincre 5 ennemis. 1, 2, 3... Ça va être dangereux ça. Non, on va juste utiliser ça.
Ah, fail, très bien. Bah, fail. Ah, ouch. Allez, prenez ça tous les deux. J'espère que je fais pas de la bêtise. La merde plutôt. Et de la bêtise pour être gentil. Un petit marteau. Sans tout il là. On aura tué 4 comme ça je crois. Je les ai tués trop rapidement. Ma faute. Je me cache. Il ne reste plus qu'un seul ennemi à tuer. On va le tuer. Faites que c'était le dernier à tuer. Merde. Oh, chier. Non, c'est bon. Là, je l'ai normal. Vu que c'est pas le cinquième ennemi, ça. Je mange mon chapeau. Voilà.
J'enchaîne en plus. Ah non, mais c'est vrai, je peux pas encore aller là. Ça fait la paix. Alors là, on va changer de personnage. Ça m'a l'air d'être le boss. Les abrutis collants, les démolisseurs. Atteindre la zone. Fuck! Commence apparemment, s'il est frappé par une arme, il cherche son attaque comme un torrent enragé. Deuxièmement, il a un petit amorce. Prenez une énergie de poisson. Si vous en avez assez, il arrête de charger. D'accord. Bouge, Jart, vole. Sacré combo que j'ai fait là. Bye bye. On peut pouvoir passer. Tour de l'ennemi. Ok. Merde, je peux pas aller assez loin. On laisse autour de l'ennemi.
Casse-toi. Cassos. Chance. Ça va être bon normalement. Ah, deux dégâts près, je vais prendre un sacré hit. Un hit de 60, ça peut aller, j'ai connu. Il faut vraiment qu'on se casse là. Ah non, falloir qu'on court. Elle court, la maladie de mort. Correct. Oh non, mais sérieux? Oh mais putain, il me casse pas à chaque fois. Je sens gros comme une maison qu'on va pas l'avoir à tout près. Ah non, ouais, à tout près, voilà. Ça c'est pas mal chiant, on va dire. Changer de coéquipier. Prendre lui, voilà, hop, sélection des armes. Alors là-bas c'est le chapitre 8. Et on est bientôt au monde, à la fin du monde 1 là je pense. Ce petit monde secret là. Puis on va s'arrêter là pour la deuxième VOD. La deuxième vidéo. Il faut en descendre encore. Oh, c'est mort. N'importe quoi. Je l'ai pas pour recommencer. C'est chaud. Allez. We'll be right back.
Voilà. Si c'est un nouveau canon pour Luigi, c'est chiant, non? Oh, non, ça. Allez, on se casse. Ok. Eh bien, nous allons nous arrêter là pour la deuxième vidéo sur Mario and the Rabbids Kingdom Battle. J'espère que cette deuxième vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime, surtout vous abonner à la chaîne. C'était The Step, moi j'ai dit bonne journée, bonne soirée, j'ai plus de vidéos.